Salut tout le monde, c'est Pochefa. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire de l'urbex avec YoBoy WR12. Alors, on va y aller tout de suite. C'est par là. Alors, pour les dédicaces, il y a Alan, il y a Adam CP9, il y a. Y a YoBoy. Il y a. Ryan 1 million 2. Et pour les dédicaces, ça va être ça pour aujourd'hui. Alors c'est ça. Alors la boutique PPGFR va s'ouvrir bientôt. J'ouvre une boutique PPGFR aux 1000 abonnés. Et sur Roblox, il y a un chandail PPGFR gratuit pour l'instant, mais qui va devenir payant. Alors n'hésitez pas à l'acheter tout de suite avant qu'il devienne payant. Parce que sinon, vous allez être dans la merde. Il va coûter proche de 5, 10, 20 Robux. Alors, vous êtes mieux de l'acheter tout de suite. Alors, c'est ça. On est presque arrivé. C'est à côté de la caserne de pompiers, si vous voulez savoir. Mais je ne vous dis pas laquelle. Et ni la ville. C'est un ami à moi et à YoBoy qui nous a dit l'emplacement de cette place. Et cette place est abandonnée. Et c'est juste un puits. C'est la première urbex de la chaîne, alors. Ça. Alors, c'est ici. C'est sur la traque de chemin de fer. Alors, c'est ici. Alors, c'est ça. Venez, il y a plein de trucs. Allez. Je suis déjà allée tantôt, aujourd'hui. Je suis allée avec... L'ami en particulier et YoBoy avec une autre personne, SkyShell 2007 ou. Ok, c'est un oiseau, je dis pas. Puis Icotag, je veux dire. Et c'est ça. Alors, c'est sur la traque de chemin de fer, comme vous pouvez voir. Ouais, c'est ça. C'est une traque de chemin de fer. Il n'y a plus de train ici depuis longtemps. Et j'ai déjà monté dans la place conducteur de ce train. Juste pour vous dire. Alors, c'est ici. Je vais laisser la trottinette ici. Pour pas te la faire voler. Non, ils vont pas la voir. Et aussi... C'est ici l'entrée. Ouais, mais attends, je vais montrer l'échec qu'on a trouvé. Regardez. Quelle pollution, tout, hein. Tout l'échec. Je sais pas si vous voyez bien. Tout ça, là. C'est des chèques. Alors, si vous... Viens, il y a un tiroir. Ouais, je sais. Il y a plein de limaces dedans. Il y a des limaces? Oui. Work. Oh, ils sont toutes partis. Bon visite. Viens. Ouais, on va y aller. On y va tout de suite. Il y a un cours d'eau en bas. Je sais pas si c'est vrai. Non. Ouais. Et un puits. Bah normalement quand il y a un cours d'eau, il y a un puits, hein. Non mais c'est un tunnel qui a genre... Ça ressemble aux égouts de non, ça. Non mais il paraît qu'il y a ça là. Ouais mais ça ressemble aux égouts de ça. Alors passe-moi la caméra pour ici parce que si tu tombes... Ouais hein. C'est pas moi qui la paiera. Hein. Et moi je tombe pas normalement. Et moi aussi tantôt j'ai pas tombé. C'est le cours qui a tombé. Ouais et Jérémy. Ouais. Ils ont tombé sur un genre de trucs comme ça, là. Sur le cul, ça fait vraiment mal. Les deux, ils ont tombé là-dessus, c'était ici, là. Regardez, je l'ai enlevé. Alors, regardez, c'est ici. Alors, c'est ça. On va là-bas? On va dessus là-bas. Pas dans le tunnel tout de suite, ouais, on va le faire pour la fin de la vidéo, comme ça vous allez suivre tout le long. Ouais, je marche pas là. Je marche par là. Alors, tu peux filmer ici, hein, si tu veux. C'est ça, c'est un... Ça, c'est une vieille caserne téléphonique, juste pour vous dire. Ouais, il y a en fait des genres de ponts avec des casernes, des trucs de téléphone, là. Regardez, c'est genre un petit ruisseau. Il y a une barrière, j'avais pas vu. Ah, il y a une porte de douche, les amis. Moi, j'irai pas là-dedans, ta place. Il y a une barrière, il y a une échelle, mec, il y a plein de choses ici. On va où que ma ouais, bon, viens. Ouais, c'est ici. Ici, juste là.
Alors, ça sera pas long, j'arrive. Okay. Je mets ma capuche. Ouais, moi aussi, bonne idée. Alors, c'est ici. Pour pas se faire pogner. Vas-y. Par les deux ondes, genre. Ouais. Voilà, ici, c'est ici. Il y a un truc téléphonique. Et il y a un panneau, genre, je sais pas, abandonné peut-être. Regardez, il y a un truc téléphonique, mais on voit vraiment bien, genre. Il y a les fils. Il était carrément placé ici avant. Regardez. Ça paraît que ça fait partie des années 1800. Hein. Bah non. Pas du tout. What? Mais 900, je vous laisse. C'est quoi ça? Il y a un genre de cocon. Ah non, ça, j'en ai plein chez moi. Ok, au moins. Attends, vous voyez, on va voir la pancarte. Il y a vraiment les, il y a vraiment des fils et des trucs comme ça là. On va à la pancarte. C'est des, c'est vraiment un truc électrique là. Alors c'est ça. On va à la pancarte. Ouais. Puis on, si on réussit à passer par dessus. Oh. Tantôt t'avais pas réussi. Non, j'avais juste pas continué. On va essayer de se rendre. Alors les amis, c'est la première fois que je viens ici avec vous, plus loin, de, au-delà du. Non, parce que plus loin, c'est un peu con. Hein. Ouais, je viens de me prendre sur un. Une herbe à puce. Non. À quoi? Un truc, un métal. C'est une clôture. Tétanosé. Non, mais là-bas, c'est. Oh non, mais là-bas, c'est pour les trains. On n'ira pas. C'est comme un peu dangereux. On va aller où? Il n'y a plus de train depuis longtemps. Ouais, mais non, on n'ira pas trop loin. Hein. Bah, moi, je ramène la pancarte. Hein. Quoi? Ouais, non, ça passe pas. Non, on passe où que t'es allé, puis t'as passé par l'autre côté au lieu de passer ici. Attends, pas de suite. Ah ouais, on va passer dans le tunnel? Non, 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 on suit un peu le ruisseau. Non, mais c'est des vieilles cabines téléphoniques, ça. Oh, je vais vous montrer ma face. Coucou! Ouais, non, c'est pas ça. Quoi? T'es en train de tout leur donner mal au cœur. Attends, c'est pas de l'herbe à puce? Je sais pas, mais go. Bon, alors vous le dites dans les commentaires si vous avez, si vous avez fait non, là, la tête ici. Ouais. Dans la caméra. Bon, par ici, par ici. On va suivre un peu le. Non, on marche pas là. On marche pas là. Il n'y a aucun chemin. Mec, il y a une porte, mais genre, d'où il y a une porte? Il y a Noël, il y a une porte ici. Je sais pas ce que ça fait là. Bon, alors, c'est ça, on va passer ici. Dans le pont. Ouais, là, on va passer ici. Ouais. Ouais, ça aide, ça. Il y a eu beaucoup de graffiti ici, comme vous pouvez le voir, même sur l'arbre. Un peu. Là. Sur le mur. On a eu beaucoup, je sais pas si vous voyez. Hein. Non, je pense qu'il voit aussi. Hein. Ouais, bon, le truc, il s'appelle 323, genre. C'est comme ça. Et maintenant. Ouais, il y a de l'écho, genre. Oh, oh. Ouais, c'est quoi ça? Oui, il y a un poisson. Ah ouais? Bon, je vais juste voir si vous voyez bien. Ah ouais, parfait. Vous voyez, il y a plein de graffiti. On marchera plus en dedans avec nos souliers. Merde, non. Regardez ici, là. Là. Dixty, c'est l'ami de tantôt qui a fait ça. Ouais. Et regardez, il y a plein de graffiti, mais ils sont rien des stylés, mais pas trop. C'est un peu con, là, qui a fait alors, ça. Alors, c'est genre, on les goûts dans ça. Arc, mes souliers vont tout être dégueulasses. Alors, c'est les goûts dans ça, genre un peu, ça c'est le style. Ah, vous, ça aurait été cool qu'ils filment ici. Ouais. Mais c'est pas assez long. C'est pas ça. Ça, c'est un pont en fait. C'est juste un pont, ça. Ah, mais oui, c'est un pont avec un train. Ouais, ben le train, il est en haut. Hein. Ouais, ben c'est ça, c'était un pont, ça en fait. Regardez, les amis, je viens de remarquer que c'était un pont. C'était un pont. Peu. Non, ça va. Bon, alors. Bon, je sais pas ce qu'on va faire, ça a l'air d'être un cul-de-sac, alors on va revenir. Mais non, mais t'es passé où avec les gars? Là, on est monté là. Ben on monte là? Non, c'est bien passé par là. Mais non, on a de l'eau partout dans les souliers. Mais non, ça va. Ben moi je monte par là si tu continues. Hein. Allez, viens. D'accord. En même temps, je suis ton caméraman. Putain.
ça. C'est ça le problème. Allez, tu vas réussir. Alors, je crois que pour toutes les autres vidéos, ça va être notre caméraman. Ouais. Alors, y a des jours que je ne serai pas là, alors... Habituez-vous, ça doit être une des seules vidéos qui va parler. Pas vraiment. Peut-être on va faire du gaming. Ouais. Bah c'est ça, alors. Je parle. Bah non. Mais oui, je vais parler. Ikotag est parlé, lui. Ouais, mais on était en vote. C'est pas un peu louche, ce truc? Ouais, c'est ma bite. Bon, allez, viens. Ça va être bientôt la fin de la vidéo. Ouais, bah, ça l'est, hein. Juste la vue ici. Passe la caméra. Je vais juste vous montrer la vue un peu ici. Parce que moi, je suis un pro du parcours. Alors, je crois que la vidéo va se finir ici, hein. Alors, tu vas me filmer là? Pas vraiment, hein. Viens. Mais non. T'inquiète, viens. Mais si je tombe, je meurs, hein. Mec. Je me tiens aux arbres. Ah, non. Ouais, ça protège. Voilà. Ah, c'est de l'herbe à puce, ça. Lolo. Tiens. Alors, tu me filmes, hein. Alors, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un like, hein, parce que... Et abonnez-vous, hein, parce que c'est le meilleur YouTuber que je connais, hein. Mais ouais, c'est pas tous les jours qu'on va venir ici, non. À des places comme ça. Parce que ça, c'est genre ma première fois que j'entends, que je visite un urbex comme ça. C'est incroyable, là, il y a des vieilles trucs de 1900, ça paraît. Ouais, bah alors, c'est la fin de cette vidéo. Attends... Alors, t'arrêtes la vidéo, ok? Alors, oui, je vais le faire. Non, mais oui. Tu le fais pas, mec. Les gens, je suis fou. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à lâcher un like. C'est vraiment important à vous abonner parce qu'au 1000 abonnés, il y a une boutique. Et en plus de ça, je vous dis... Ciao, ciao.